Okay, bonjour, salut, j'espère que vous allez bien. Nous continuons toujours sur la thématique de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons voir deux thématiques rapidement, toujours concernant l'immobilier, parce que beaucoup d'entre vous, à travers les questionnaires que je vous avais adressés, beaucoup ont rempli, comme je vous avais dit, beaucoup, plus d'une cinquantaine hein, de réponses que j'ai eues, c'est super intéressant. Je vous remercie pour ça. Et la plupart d'entre vous, enfin, pas la plupart, mais beaucoup ont parlé de la question de l'immobilier. Donc, c'est pour ça que je reste dessus pendant un certain moment. Je vais faire encore une ou deux vidéos dessus après fermer, repartir un peu sur la notion du dropshipping, du e-commerce ou de l'infoprenariat en général. Donc après, je parlerai du business, après je parlerai de la bourse, de plusieurs thématiques sont en cours de préparation. D'accord? Alors, nous allons voir deux choses. Nous allons voir neuf stratégies, d'accord? Neuf stratégies par lesquelles vous pouvez, à partir desquelles vous pouvez gagner de l'argent dans l'immobilier. D'accord? Neuf stratégies pour gagner de l'argent dans l'immobilier. Ensuite, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent dans l'immobilier sans être propriétaire. C'est possible. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible, c'est faisable, c'est encadré par la loi et il y a une législation qui existe pour ça. D'accord? Alors, première thématique, neuf stratégies pour gagner de l'argent dans l'immobilier. De quoi je parle? Premièrement, vous pouvez acheter un parking. C'est quoi un parking? Un parking, c'est un endroit réservé normalement pour accueillir des voitures, des motos, pour servir de sécurité. D'accord, il y a certains pays ou dans certaines localités qui construisent de grands parkings. D'accord? Mais le problème après, c'est que le parking peut ne pas tourner comme cela se doit. D'accord? Et donc le propriétaire peut vouloir vendre son parking. Donc vous achetez un parking dans un terrain pratiquement nu que vous réfectionnez, vous construisez. Ok? Vous pouvez par exemple acheter, transformer et revendre. Donc acheter un bâtiment. Le rénover et revendre ce bâtiment. Donc, acheter, transformer le bâtiment complètement et revendre ce bâtiment-là à un coût relativement un peu plus cher que le prix d'achat et de rénovation. D'accord? Vous pouvez aussi faire de la colocation. D'accord? La colocation. Alors, il y a deux types de colocation. Il y a la colocation pour professionnels et la colocation pour particuliers. Personnellement, je préfère la colocation pour professionnels. Pourquoi? Parce que vous louez à des entreprises et donc qui font du chiffre d'affaires, qui font du cash et qui font de la rentabilité. Donc, c'est plus facile de vous faire payer lorsque c'est une colocation de professionnels. Alors que quand c'est pour les partenaires, c'est un peu plus délicat. Ils vont héberger leur famille, préparer des trucs dedans et puis il peut détériorer. Et rien ne garantit que vous aurez votre salaire, enfin votre loyer à temps. OK? Vous pouvez aussi faire de la location. Un instant. Vous pouvez faire aussi de la location saisonnière. Qu'est-ce que je mets dans location saisonnière?
Location, saisonnière, c'est par exemple louer pour des courtes durées. C'est une sorte de location, mais à courte durée, pour 1, 2, 3, 4, 5 jours. D'accord? Et la personne sort, d'autres personnes entrent. Vous pouvez par exemple privilégier la niche des touristes. D'accord? La niche des visiteurs. Donc, la location, c'est saisonnière. Et en fonction de la saison, le prix diffère. Lorsque vous êtes dans une haute saison, la haute saison, par exemple, c'est pendant les vacances, c'est les saisons de pic où les touristes visitent régulièrement le pays. Les basses saisons, c'est des saisons où voilà, il y a quasiment pas de grosses activités. Donc, vous pouvez diminuer le prix là. Enfin, à vous de voir la politique que vous allez adopter. Vous pouvez aussi acheter un terrain nu, construire et bâtir des lots. Donc, vous achetez un terrain nu. Vous construisez et vous battez, vous construisez des lots et vous les revendez. Alors, imaginez par exemple que vous achetez un terrain de 100 hectares. D'accord? Vous morcelez ça en, par exemple, en 20 lots de 5 hectares. D'accord? Vous construisez chaque lot de 5 hectares que vous mettez maintenant en location. D'accord? Ou que vous revendez. C'est à vous de voir. Vous vendez ou vous mettez en location, ça peut vous rapporter un max de sous. OK? Septième stratégie, c'est être un intermédiaire immobilier. Intermédiaire immobilier, ça veut dire que vous avez un carnet d'adresses bien fourni. Vous savez là où il y a les meilleures opportunités immobilières. Vous êtes au milieu, vous mettez ensemble et le client et les opportunités immobilières, vous les mettez ensemble. Et qu'est-ce que ça fait? Vous prenez votre commission. D'accord? Donc, vous êtes un intermédiaire immobilier. Donc, vous faites fonctionner votre carnet d'adresses. Il y a aussi une excellente opportunité, le crowdfunding immobilier. Le crowdfunding immobilier, c'est quoi? C'est des personnes qui ont besoin d'argent pour pouvoir investir dans l'immobilier, pour pouvoir réaliser des projets immobiliers, mais qui n'en ont pas. D'accord? Qui cherchent des moyens. Donc, vous pouvez vous spécialiser sur la niche du crowdfunding immobilier, c'est-à-dire vous les aider à rechercher du financement, à mobiliser des fonds sur le marché mondial, d'accord? À trouver des investisseurs prêts à financer leur projet immobilier. Donc, quand ils financent leur projet immobilier, pour le service que vous leur apportez, formation, suivi, conseil, jusqu'au financement et tout, jusqu'à la levée de fonds, vous prenez votre commission sur ça, d'accord? Et la même stratégie, c'est tout ce qui est meubles, immobilier, accessoires pour garnir la maison. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'immobilier, ce n'est pas que des maisons physiques. L'immobilier, c'est aussi tout ce qui est accessoires, tout ce qui est meubles, tout ce qui est luminaire, tout ce qui est écran plasma, tout ce qui est garni la maison. Vous pouvez aussi vous spécialiser sur cette niche et vendre aux promoteurs immobiliers. Donc, c'était les 9 stratégies. Maintenant, parmi ces 9 stratégies, il y a une stratégie sur laquelle je vais revenir. Comment gagner de l'argent sans être propriétaire et quasiment sans apport? Je ne sais pas si j'en ai parlé. La location et la relocation. D'accord? La seule stratégie, la stratégie que je vous conseille, qui est totalement légale, je pense que je n'ai pas parlé parmi les 9. Donc, 9e stratégie, être loué et reloué. D'accord? Locataire et relocation. Alors, donc, lorsque vous êtes... voilà, vous voulez gagner de l'argent dans l'immobilier sans être propriétaire et sans apport, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous faites de la location-relocation. D'accord? OK? Donc, vous encaissez la différence. De quoi je parle? À la location, à la base, vous informez le propriétaire de la maison que vous voulez faire une relocation de son espace que vous allez louer. D'accord? Vous arrangez pour avoir son accord de principe. Une fois qu'il vous dit oui, ça doit être notifié dans le contrat de bail, le contrat de location. Et après, maintenant, vous pouvez relouer ce que vous avez loué. Alors, la question qui va se poser tout de suite, c'est quoi? C'est que vous êtes obligé,
Certains disent que vous êtes obligé de relouer au prix de location. C'est-à-dire quoi? Vous louez par exemple un espace de 25 mètres carrés ou de 20 mètres carrés. D'accord? Vous louez ça par exemple à 100 000 francs. 100 000 francs divisé par 20 mètres carrés, ça veut dire que le mètre carré probablement est à 5 000 francs. D'accord? Donc vous ne pouvez pas louer plus que 5 000 francs le mètre carré. C'est pas faux? C'est pas aussi vrai. D'accord? Ça dépend de votre niveau de connaissance. Mais moi, je vais vous dire que c'est faux. D'accord? C'est pas totalement vrai. Je ne dis pas que c'est faux. Je vais vous dire que c'est pas totalement vrai. Alors, il y a plusieurs options. D'accord? Il y a plusieurs options qui vous permettent de vous, en fait, de vous départir de cette contrainte-là. Il y a plusieurs options qui vous permettent de ne pas être obligé, OK, d'en arriver là. C'est-à-dire qu'il y a d'autres possibilités de contournement. OK? Il y a d'autres possibilités de contournement de cette limite-là. Ça peut aller? Alors, première possibilité de contournement, c'est quoi? C'est que vous pouvez louer un appartement nu. OK? Et équipé en immobilier, en meubles. En mobilier, pardon. Vous louez un appartement nu et vous équipez en meubles, en climatiseur, en tout ce que vous voulez. Du coup, ce n'est plus le même bâtiment que vous avez loué. Ce n'est plus identique. Ce qui veut dire que la prestation aussi ne sera plus identique. Donc, vous pouvez maintenant, au nom des réfections, au nom de voler équipement que vous avez apporté, augmentez maintenant le prix de location. OK? Le propriétaire ne vous tiendra pas à rigueur pour ça parce que vous avez apporté de la valeur ajoutée. OK? Deuxièmement, vous pouvez par exemple louer une chambre, par exemple de 15 mètres carrés. D'accord? Avec toilette, cuisine, salle de bain, etc. assez au salon. D'accord? Et vous louez différemment les chambres. Vous louez différemment les chambres. OK? Et tous ceux qui louent les chambres ont en commun le salon, la douche, la salle de bain, la cuisine et pour une surface un peu plus grande. D'accord? Du coup, ce n'est pas le même prix parce que beaucoup de personnes utilisent une même la cuisine, la salle de bain, c'est pas trop la véranda, l'espace vue sur mer, c'est pas trop. En même temps, plusieurs personnes l'utilisent en même temps. Donc, ça nécessite des frais de maintenance, des frais d'entretien de votre part. D'accord? Donc, vous pouvez, au nom de ça aussi, augmenter le montant du loyer. Ça peut aller. Il y a aussi, vous pouvez, par exemple, voilà, vous pouvez par exemple, ajouter des services connexes, c'est-à-dire apporter de la valeur, ajouter des services connexes à la location. Par exemple, vous pouvez installer du Wi-Fi, vous pouvez avoir de la climatisation, vous pouvez mettre en place un service de thé ou de café tous les matins. Vous pouvez dire, voilà, vous louez, d'accord, inclus l'électricité, l'eau, c'est-à-dire vous louez dès que vous louez. Vous ne payez plus l'électricité, vous ne payez plus l'eau, tout est inclus dans le loyer. D'accord? Ordures, Wi-Fi, comment on appelle ça? Plein de trucs que vous pouvez ajouter, plein de services que vous pouvez ajouter à la location pour en faire tout un package et louer et relouer. D'accord? Et donc, lorsque vous relouez, évidemment, ça ne sera pas au même montant. Voilà les quelques idées que je voulais vous partager. Et donc, vous pouvez, sans être propriétaire et avec un petit capital, avec un petit investissement financier, avec un petit apport financier, vous enrichir énormément dans l'immobilier sans être propriétaire d'une maison ou d'un bâtiment. Personnellement, c'est ce que je fais depuis un moment et ça me rapporte assez énormément. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous savez quoi faire. Il y a un bouton s'abonner sur la page. Vous cliquez sur le bouton s'abonner pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Alors, il y a plein de vidéos qui sont en cours de préparation. Et donc, je vais revenir dessus au fur et à mesure. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la au maximum.
Et puis, on se donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao, ciao. Bye, bye.